Salut. Salut. Witamy na kolejnej lekcji języka francuskiego. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy warto uczyć się metodą bezpośrednią języka francuskiego, czy metoda polegająca na odpowiadaniu na pytania jest skuteczna, no to przez najbliższą godzinę możecie zobaczyć, jak to jest, jak to działa, żeby ewentualnie spróbować uczyć się w ten sposób. On commence aujourd'hui avec une révision des mots que tu te souviens de notre dernière lecture. Mm-hmm. Tu peux me dire quelques 4 ou 5 mots que tu te souviens. J'aime soif, j'aime femme, non. Et j'ai garçon, fille. Tu peux essayer, tu te souviens. Non. Leçon, on dit. La dernière leçon c'était 11. 11. Ouais. Un moment. Bien sûr. 11. Le tatouage. Ok. Cage, le pain, rendez-vous, rue, en, grand rue, boulevard, cage, chien, chat, gardien. Jardin de Tuileries, monument. Mm-hmm. Oui, c'est bon. Ok, alors on continue avec la révision de nos dernières unités qu'on a appris la dernière fois. On commence par l'unité 10. On commence tout d'abord avec la traduction. Alors j'ai dit juste le mot et puis tu le répètes et puis tu le traduis. Film. Mm-hmm. On continue avec des questions. Est-ce que cette rue est petite? Non, cette rue n'est pas petite. Mm-hmm. Est-ce que cette voiture est grande? Oui, cette voiture est grande. Mm-hmm. Est-ce que ce livre est intéressant? Oui, ce livre est intéressant. Exactement. Est-ce que ces films sont intéressants? Oui, ces films sont intéressants. Exactement. Continue avec la traduction. Dangereux. Dangereux, niebezpieczny. Dangereuse. Dangereuse, niebezpieczna. Merveilleux, merveilleuse. Merveilleuse, wspaniała. Ennuyeuse, nudna. Exactement. Est-ce que cette fille est dangereuse? Question. Est-ce que cette fille est dangereuse? Oui, cette fille est dangereuse. Est-ce que cet homme est dangereux? Non, cet homme n'est pas dangereux. Exactement. Est-ce que ces livres sont intéressants, sont ennuyeux? Oui, ces livres sont un peu ennuyeux. Exactement. Est-ce que ce livre est intéressant? Oui, ce livre est intéressant. Exactement. On continue avec la traduction. Planète. Planète, planeta. Église. Église, kościół. La Terre, Ziemia. Vénus. Mm-hmm. On continue avec des questions. Est-ce que cette planète est c'est Vénus? Et non, cette planète n'est pas Vénus. Cette planète-là, c'est la Terre. Exactement. Est-ce que cette maison, c'est la maison de Claire? Non, cette maison n'est pas la maison de Claire. Est-ce que cette église, c'est l'église Notre-Dame?
Non, cette église n'est pas l'église Notre-Dame. Est-ce que ce monument, c'est l'Arc de Triomphe? Non, ce monument n'est pas l'Arc de Triomphe. Est-ce que cet homme, c'est Paul? Et oui, cet homme, c'est Paul. Est-ce que cette fille, c'est Calorine? Et oui, cette fille est C'est Calorine. Caroline. Est-ce que ces jardins, ce sont les jardins de Tuileries? Non, ce jardin n'est pas des jardins de Tuileries. N'est pas les jardins de Tuileries. N'est pas le jardin de Tuileries. Est-ce que ces livres sont intéressants? Oui, ces livres sont intéressants. Est-ce que cette église est grande? Oui, cette église est grande. Est-ce que cette planète est petite? Et non, cette planète n'est pas petite. On continue avec la traduction. Moderne, Moderne, novočasné, ancien, ancienne, ancien, staré, ancien, stará, aéroport, aéroport, lotnisko, hôtel. hôtel, hôtel. On continue avec des questions. Est-ce que cette ville est grande et moderne? Et oui, cette ville, c'est grande, Et grande. elle est grande et moderne. Exactement. Est-ce que ces églises sont anciennes? Oui, ces églises sont Excuse-moi. anciennes. Est-ce que cet hôtel est moderne? Oui, cet hôtel est moderne. Cet Cet hôtel Oui, parce est que. Ouais. moderne. Est-ce que cet aéroport est grand? Et non, cet aéroport n'est pas grand. Est-ce que ces monuments sont anciens? Oui, ces monuments sont Anciens. 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 On continue avec la traduction. Opéra. Opéra, opéra. Concert. Concert, concert. Connu. Connu, znane. Magnifique. Magnifique, spagnol. On continue avec des questions. Est-ce que cet opéra est de Mozart? Et non, cet opéra n'est pas de Mozart. Comment est ce concert? Et ce concert est Magnifique, magnifique. exactement. Est-ce que Victor Hugo est un écrivain connu? Oui, Victor Hugo est Un écrivain. un écrivain connu. Est-ce que la tour Saint-Jacques est un monument connu? Oui, La tour la tour Saint-Jacques Saint-Jacques est est un un monument monument connu. connu. Comment est ce match? Et ce match est magnifique. Exactement. On continue avec la traduction. Boulevard. Boulevard. Bouquet. Bouquet, bouquette. On continue avec des questions. Est-ce que ce bouquet est pour Violette? Et oui, cette bouquet est pour Violette. Il y a un bouquet. Pour Sandra. Ouais. Est-ce que le boulevard Saint-Germain est connu? Oui, le boulevard Saint-Germain est connu. Exactement. Est-ce qu'il y a de la place dans cette rue? Et Cette rue? non, il n'y a pas place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans cette rue. Exactement. Où habite cette fille? Et cette fille habite chez moi. Exactement. Est-ce que vous habitez dans cet hôtel? Et non, je n'habite pas dans Dans cet cet hôtel. Exactement. Alors, je vais te demander je vais te donner quelques mots et puis non, tu vas me donner quelques mots et puis je te demande des questions. Ok? Alors, tu peux me donner bon, je vais te donner des mots. Alors, le premier mot, c'est planète. Et est-ce que cette planète est grande pour toi? cette planète n'est pas grande pour moi. Cette planète est petite pour moi. On continue. Intéressant. Intéressant. Est-ce que cet livre est intéressant? Oui, cet livre est intéressant. Le prochain mot est
Dangereux. Oh, une tuse dangereuse. Dangereux, dangereuse. Dangereuse, c'est le mot dangereuse. Dangereuse. Est-ce que tu es une personne dangereuse? Dangereuse. Tu peux utiliser dangereux contre dangereux. Moi, mais comme je ne suis pas une fille, c'est pas dangereux. Tu peux dire est-ce que cette femme est dangereuse? Est-ce que cette femme est dangereuse? Oui, cette femme est dangereuse. Le prochain mot, aéroport. Et est-ce qu'un ou deux aéroports à Varsovie? Est-ce qu'il y a un ou deux aéroports? Il y a un ou deux aéroports à Varsovie. Je crois qu'il y a deux aéroports à Varsovie. je pense bon, mais je ne suis pas sûr. Rechercher en Internet? Ah ouais, on peut chercher. Après. le dernier mot, c'est magnifique. Magnifique. Est-ce que ton mam est-ce que ton mam magnifique? Est-ce que ta mère? Ah, est-ce que ta mère magnifique? Ah oui, ma mère est magnifique. Merci de demander. On continue notre révision. On commence tout d'abord avec la traduction. J'ai tu te il on elle on a nous avons nous ah, avons ah ok ouais. J'ai ya mam tu as tes mâches il a elle a en main. Nous avons mes mamans. Vous avez mes mamans. Ils ont en maillot. Elles ont en maillot. Mm-hmm. Moto. Motocycle. Mm-hmm. Vélo. Rover. Mm-hmm. Je continue avec les questions. Est-ce que tu as une moto? Non, je n'ai pas une moto. Une moto. Ouais. C'est féminin. On continue. Vous avez un dictionnaire français ou italien? Et j'ai un dictionnaire français et italien. C'est juste l'un de deux. Et français. Mm-hmm. Vous avez deux, trois ou quatre chambres? J'ai trois chambres. Mmh. Est-ce qu'ils ont deux vélos? Oui, ils ont deux vélos. Est-ce qu'elle a une moto? Oui, elle a une moto. Mmh. Est-ce qu'il a le cahier de Paul? Est-ce qu'il a le cahier de Paul? Est-ce que il a le cahier de Paul? Le cahier de Paul. Exactement. Okay. On continue avec traduction. Âge. Âge vieux. En latin. Exactement. On continue avec des questions. Vous avez quel âge? Et j'ai 42 ans. T'as combien d'ans? Et 42. Ah, t'as 42 ans. 42 ans. 42 ans. Ouais. 42 ans. Ah, quel âge a Marc? Et Marc a 30 ans. Exactement. Est-ce que tu as le numéro de Sophie? Et oui, j'ai le
numéro de Sophie. Est-ce que vous avez les clés de la maison? Oui, j'ai. Ou est-ce que vous avez les clés de la maison? Et où est la question? C'est par ici. Est-ce que vous avez les clés de la maison? Ah, nous avons les clés de la maison. Est-ce qu'elle a le livre de Marie? Oui, elle a le livre de Marie. Exactement. Quel âge avez-vous? Et nous avons... J'ai. Quel âge avez-vous? Ok. Où la question? Par ici. Et vous? Ok, vous, monsieur. Ouais. Qui vous... Je le montre par vous. Pour que tu puisses déterminer si c'est j'ai ou nous. J'ai 42 ans. Ouais, exactement. Alors, on continue avec la... Non, 43 ans. Ah, c'est déjà 2020. Ans, oui. On continue avec la négation plus le verbe avoir qui est j'ai, tu as, il a. Il a une voiture. Il n'a pas de voiture. On répète ensemble. Il a une voiture. Il n'a pas de voiture. J'ai un enfant. Je n'ai pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Ouais, parce que c'est un enfant. Je n'ai pas d'un. D avec apostrophe. Tu as une moto. Tu n'as pas de moto. Tu n'as pas de moto. Nous avons une grande maison. Nous n'avons pas de grande maison. Nous avons une grande maison. Nous n'avons pas de grande maison. Ils ont un vélo. Ils n'ont pas de vélo. Ils n'ont pas de vélo. Exactement. On continue avec la traduction. Rendez-vous. Rendez-vous sportcanien. Passeport. On continue avec tes questions. Vous avez une moto? Non, je n'ai pas de moto. Exactement. Est-ce qu'il a un passeport? Non, il n'a pas de passeport. Dans ces questions, essaie d'utiliser la négation. Ne pas. Est-ce qu'ils ont un professeur de français? Non, ils n'ont pas de professeur de français. Exactement. Est-ce que nous avons un rendez-vous aujourd'hui? Non, nous n'avons pas un rendez-vous aujourd'hui. Ok, on continue avec la traduction. Nous n'avons pas de rendez-vous aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça. Si c'est le mot qui suit ne, commence par une voyelle, A, I, E, U, O. Le N, on enlève le E et puis on met apostrophe. On continue. Si le mot qui suit s'il commence aussi avec un voyelle, I, U, O, I, U, E, O, A, on enlève le E et puis on met D, apostrophe. Ne pas de. C'est la formule de mettre la négation avec le verbe avoir.
On continue avec la traduction. Balcon. Et balcon, balcon. Plante. Plante, China. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que tu as un balcon? Non, je n'ai pas de balcon. D'un balcon? Je n'ai pas. Non, je n'ai pas de balcon. Balcon. Oui, c'est exact. Est-ce que tu as des plantes sur le balcon? Et non, je n'ai pas de plantes sur le balcon. Sur le balcon. Mmh. Sur le balcon. Mmh. Vous avez une place libre dans la voiture? Et oui, j'ai une place libre dans. J'ai une place. J'ai une place libre dans ma voiture. Mmh. Est-ce qu'elle a une secrétaire? Et non, elle n'a pas de secrétaire. Mm-hmm. Tu as le stylo du professeur? Non, je n'ai pas de stylo de professeur. Mm-hmm. Du professeur. Mm-hmm. Elle a un rendez-vous mardi ou mercredi? Elle a un rendez-vous mercredi. Exactement. Continue avec la traduction. Chien. Chien, pièce. Chat. Et chat. Chat. Désolé. Hamster. Hamster. Comic. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que tu as un chien? Et non, je n'ai pas un chien. Je n'ai je pas, n'ai pas de chien. Chien. Et quel âge a le chat de Louise? Et le chat de Louise a 3 ans. Vous avez un chien ou un chat? Et j'ai un chat. Exactement. Est-ce qu'il a un hamster? Et non, il n'a pas d'hamster. Exactement. Oui. Est-ce que tu as un chat? Non, je n'ai pas de chat. Mm-hmm. On continue avec la traduction. Cochon d'Inde. Cochon d'Inde. Oui. Et Świnka Morska. Donc, Inde, c'est un pays. Ah, ok. Cochon d'India. Ah, cochon d'Inde. Cochon d'Inde, yes, India. Ah. Cochon d'Inde. Mm-hmm. Perroquet. Papouga. Mm-hmm. On continue avec des questions. Est-ce que vous avez un perroquet? Et non, je n'ai pas de perroquet. Mm-hmm. Est-ce qu'il a un cochon d'Inde? Et non, il n'a pas de cochon d'onde. Ah, d'onde, ouais. Désolé. Vous avez un hamster ou un cochon d'onde? Et j'ai un cochon d'onde. On continue avec la traduction. Tortue. Et tortue. Mm-hmm. Lapin. Lapin krulik. Poisson. Poisson ryba. Niche. Niche klatka. Cage. Ah non, niche. Cage klatka. Niche. Buta. Mm-hmm. Cage. Cage klatka. Aquarium. Aquarium, aquarium. Mm-hmm. Alors, on continue. Est-ce que vous avez une tortue? Et non, je n'ai pas de tortue. Mmh. Où habite cette tortue? Cette tortue habite dans la cage. Mmh. Dans le cage, cage, la cage. Dans la cage. Ouais, dans la cage. La cage. Mmh. Vous avez des lapins? Et non, je n'ai pas de lapins. Mmh. Des lapins. Des lapins. As-tu des poissons? Eh? As-tu des poissons en pluriel? Non, je n'ai pas de poissons. Mmh. Est-ce que les poissons ont un grand aquarium?
Oui, les poissons sont. Ont. Ont. Les poissons Ont. ont Un dans grand un grand aquarium. aquarium. Parce que ont, c'est pour avoir, et puis sont, c'est pour être. C'est deux différents verbes. Ah, on, oui, on, non, sans, on, Sont, c'est être. on. Si on Et... dit sont, ça veut dire que les poissons sont l'aquarium. Pas ils ont un aquarium. Si on dit les poissons sont un grand aquarium, c'est comme si on a un poisson ici et le poisson est l'aquarium. Mais c'est. Et les poissons On. ont un grand Grand. aquarium. Où habite ton chien? Et mon chien, Désolé, où habite ton chat? et mon chat, ma chat, Mon. mon chat habite dans la cage. Exactement. Vous avez une niche pour votre chat? Non, je niche pour la Ok, je change la charge. question. Vous avez une cage pour votre chat? Et chat, chien, chat. Chat. Non, oui, j'ai une cage pour moi, chien. Pour M mon mon chien, chat. mon chat. J'ai demandé chat. Ouais. Ok. Alors, je vais te donner quelques mots et puis. Ah non, je te donne quelques mots et puis tu me demandes des questions. Désolé. Ok. Alors, le premier mot, c'est cage. Est-ce que tu as Une. une cage pour ton chat? Oui, j'ai une cage pour mon chat. Et le prochain mot, c'est balcon. Est-ce que tu as un balcon dans ton appartement? Oui, j'ai un balcon dans mon appartement. Passeport. Et quel passeport as-tu? Tu peux répéter encore? Quelqu'un? Combien? Combien passeport? Combien de passeports Combien de passeport as-tu ou avez-vous? avez-vous? J'ai une seule passeport. J'ai seulement un passeport. Le prochain mot est âge. Âgé. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Ok. Alors, on va commencer un tout nouveau lecture. On commence tout d'abord avec la traduction. On commence par lire, puis on répète, et puis on traduit. Avoir faim, j'ai faim. Avoir soif, j'ai soif. Avoir chaud, j'ai chaud. Avoir froid, j'ai froid. Avoir sommeil, j'ai sommeil. On répète. Avoir faim, j'ai faim. Avoir faim, j'ai faim. Avoir soif, j'ai soif. Avoir soif, j'ai soif. Avoir chaud, j'ai chaud. Avoir chaud, j'ai chaud. Avoir froid, j'ai froid. Avoir froid, j'ai froid. Avoir sommeil, j'ai sommeil. Avoir sommeil, j'ai sommeil. On traduit. Avoir faim. Avoir faim, petit gourmet. J'ai faim. J'ai faim, il y a un gourmet. Avoir soif. Avoir soif, gourmet, J'ai soif. Je soif, il y a soif, c'est Monsieur Peach, je soif, il y a Spagnol. Avoir chaud. Avoir chaud, bitch, mitch, bitch, mitch.
Avoir chaud. Avoir chaud, j'ai chaud, et c'est mi gorąco. Avoir sommeil. J'ai sommeil, et avoir sommeil, j'ai sommeil, et c'est mi ciepło. Exactement. Et c'est mi sommeil. Sommeil. Non, sommeil. Sommeil, jestem śpiący. Sommeil, chaud, froid. Ok. Ok, on continue avec des questions. Est-ce que tu as chaud en été? Est-ce que tu as chaud en été? Oui, j'ai chaud en été. Exactement. Est-ce que tu as froid en hiver? Est-ce que tu as froid en hiver? Oui, j'ai froid en hiver. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez froid? Et non, Nous nous n'avons n'avons pas de pas froid, nous nous avons avons chaud. chaud. Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a faim? Et oui, elle a faim. Exactement. Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a soif? Oui, Il a. il a soif. Exactement. Soif. Oui, soif. Soif. Non, soif, c'est je veux boire de Soif. l'eau, ouais, j'ai soif. Est-ce que tu as sommeil? Est-ce que tu as sommeil? Non, je n'ai pas sommeil. Ok. Alors, on continue avec la traduction. La même chose, je lis, on répète et puis on traduit. Trait, obscurité, féminin. Avoir peur, j'ai peur. On répète, trait, Très obscurité, obscurité, avoir peur, j'ai peur. avoir peu, j'ai peu, Peur, peur, peur. peur, On traduit, trait, et très pardon, obscurité, obscurité, ciemność, avoir peur, j'ai peur. avoir peur, bać się, j'ai peur, boję się. On continue avec des questions. Est-ce qu'ils ont chaud? Est-ce qu'ils ont chaud? Oui, ils ont chaud. Est-ce que le chat a peur du chat? Est-ce que le chat a peur du chien? Oui, le chat A a peur peur de chien. 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 Est-ce que vous avez peur de l'obscurité? Est-ce que vous avez peur de l'obscurité? Et oui, nous avons peur de dans l'obscurité. De l'obscurité. Dans l'obscurité. Exactement. De De l'obscurité. l'obscurité. Ouais. De l'obscurité. Parce que obscurité commence par O. Alors O, c'est en voyelle. On fait L, apostrophe. L'obscurité. Comme ça. De l'obscurité. Ouais. De l'obscurité. L'obscurité. Nous, est-ce que vous avez, ok? Est-ce que vous avez j'ai? J'ai, non, nous, C'est j'ai. G et puis avoir. Est-ce que tu as peur? Et oui, j'ai peur. Exactement. On continue avec la traduction, la même chose. Calme, bruyant, bruyante, voisin, voisine, appartement. On répète. Calme, Calme, bruyant, bruyant, bruyante, bruyante, voisin, voisine, voisin, voisine, appartement. appartement. On traduit calme, Calme, spokojne, bruyant, bruyante, bruyant, głośny, bruyante, głośna. voisin, voisine, Voisin, sąsiad, voisine, sąsiadka. appartement. Appartement, mieszkanie. On continue avec des questions. Est-ce que tu as une maison ou un appartement? Est-ce que tu as une maison ou un appartement? J'ai un appartement.
En appartement. J'ai un appartement. En appartement. J'ai un appartement. Right. C'est comme si c'était rattaché. En appartement. Il y a un peu de... Ouais. On continue. Tu habites dans un appartement moderne ou ancien? Tu habites dans un appartement moderne ou ancien? Et j'habite dans un appartement moderne. Exactement. Tu as des voisins calmes ou bruyants? Tu as des voisins calmes ou bruyants? Et j'ai des voisins calmes. Exactement. Vous avez un Peugeot ou une Renault? Vous avez une Peugeot ou une Renault? Et j'ai un Renault ou Renault? Renault. Renault ou Renault? Renault. 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 Ça dépend de... Renault. Renault. J'ai une Renault. On continue avec la traduction. Avoir raison. J'ai raison. Avoir tort, j'ai tort. Avoir le temps, j'ai le temps. On répète. Avoir raison, j'ai raison. Avoir raison, j'ai raison. Avoir tort, j'ai tort. Avoir tort, j'ai tort. Avoir le temps, j'ai le temps. Et avoir le temps, j'ai le temps. Exactement. On traduit. Avoir raison, j'ai raison. Avoir raison, mieć rację, j'ai raison, mam rację. Avoir tort, j'ai tort. Avoir tort, mieć się, j'ai tort, mam się. Est-ce que... non. Avoir le temps, j'ai le temps. Avoir temps, mieć czas, j'ai le temps, mam czas. On continue avec des questions. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a raison? Oui, elle a raison. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Et oui, ils ont raison. Est-ce que tu as tort? Est-ce que tu as tort? Et non, je n'ai pas de tort. Je n'ai pas tort, j'ai raison. Exactement. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez le temps? Oui, j'ai le temps. Exactement. On continue avec la traduction. Permis de conduire, carte d'identité. On répète. Permis de conduire. Permis de conduire. Carte d'identité. Carte d'identité. On traduit. Permis de conduire. Permis de conduire, prawo jazdy. Carte d'identité. Carte d'identité, dowód osobisty. Désolé, exactement. Alors, on continue avec un exemple de le verbe avoir avec négation, plus négation. Alors, vous avez le... c'est des questions. Vous avez le permis de conduire. Vous avez le permis de conduire. Et vous avez de... On dit... C'est une question. Non, oui. Ah, oui, j'ai un permis de conduire. La prochaine question, essaie de le répondre avec négation. Tu as la carte d'identité. Non, je n'ai pas de carte d'identité. Je n'ai pas la carte d'identité. Je n'ai pas la carte d'identité. Donc je n'ai pas de carte d'identité. Je n'ai pas la carte d'identité. Parce que c'est des... Oui, non. C'est comme si c'était des par ici, mais parce que le prochain mot de, sur E, c'est C. C est une... Non, je n'ai pas le... Ah, oui, le, c'est parce que c'est masculin, mais carte d'identité est féminin. C'est la règle. Oui, c'est la règle. Ici, les articles
définit la négation. Je ne comprends pas la question. Pourquoi la question que tu demandes? Et je n'ai pas le permis de conduire. Non, je n'ai pas le... Ouais, parce que... Et puis on continue. Alors, le prochaine question, essaie aussi de répondre avec la négation. Est-ce que tu as le temps aujourd'hui? Et oui, je Non, c'est négation. n'ai pas du temps. Non, je n'ai pas le Le temps temps aujourd'hui. aujourd'hui. On continue à répondre avec la négation. Tu as un vélo Et non, je n'ai pas de de vélo. vélo. Oui, pas des vélos, de vélo. C'est la règle. Je n'ai pas de vélo. De, pas du, de vélo. De vélo. Avez-vous un appartement à Rome? Et non, je n'ai pas D'appartement d'appartement à à Rome. Rome. Parce que avez-vous un appartement à Rome? Quand tu vas répondre, tu vas utiliser deux dans la négation. Non, je n'ai pas deux. Oui, j'ai deux. Tu comprends les règles? Ok, on continue. Il y a un hamster sur la table. Il y a un hamster sur la table. Non, il n'y a pas d'hamster Sur sur la la table, table. exactement. Est-ce qu'il a des perroquets? Est-ce qu'il a des plurières, perroquets? Non, il n'y a pas de perroquet. Exactement. On continue avec la traduction. Avoir besoin de. J'ai besoin de. Avoir envie de. J'ai envie de. On répète. Avoir besoin de. Ah, avoir besoin de, J'ai besoin de. j'ai besoin de. Avoir envie de. J'ai envie de. Et avoir envie de, j'ai envie de. Exactement, on traduit avoir besoin de. Avoir besoin de potrzebować coś. J'ai besoin de. J'ai besoin de potrzebuję. Avoir envie de. J'ai envie de. Avoir envie de mieć ochotę. J'ai envie de mam ochotę. Non. Ok, on continue avec la traduction. Argent, chocolat, de quoi? On répète. Argent, Argent, chocolat, chocolat, de quoi? de quoi? On traduit argent, Argent, pieniądze, chocolat, chocolat, chocolata, de quoi? de quoi? Ce kim, Ok, on continue. kto, On continue de plus avec toujours la traduction. De quoi est-ce que tu as envie? De quoi est-ce que tu as besoin? On répète. De quoi est-ce que tu as envie? De quoi est-ce que tu as envie? De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi tu as De quoi quoi? est-ce que tu as besoin? Et de quoi est-ce que tu as besoin? Exactement, on traduit. De quoi est-ce que tu as envie? Et on dit na co masz ochotę? Quoi est-ce que tu as envie? De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que tu as besoin? Na co masz ochotę? Exactement. On continue avec des questions. De quoi est-ce que vous avez envie? De quoi est-ce que vous avez envie? Et nous avons envie de Nous chocolat. sommes... non, non, Nous avons nous avons, oui. envie de chocolat. Est-ce que tu as envie de chocolat? Est-ce que tu as envie de chocolat? Oui, j'ai envie de chocolat.
de chocolat. J'ai envie du chocolat. De quoi est-ce que vous avez besoin? De quoi est-ce que vous avez besoin? Et nous avons besoin d'argent. Exactement. De quoi est-ce qu'elle a besoin? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de chocolat. Exactement. Pas nécessairement, elle a besoin de chocolat. De chocolat, oh, elle a besoin de temps libre. Ouais, okay, ouais. De temps. Elle a besoin de temps libre. Est-ce que vous avez besoin de dictionnaire? Est-ce que vous avez besoin de dictionnaire? Et non, je n'ai pas besoin de dictionnaire. Exactement. Alors, je te donne des mots et puis tu me demandes quelques questions avant qu'on continue. Argent. Et argent, est-ce que tu as besoin d'argent? Oui, bien sûr, j'ai besoin d'argent. Le prochain mot, permis de conduire. Est-ce que tu as besoin de permis de conduire? Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de permis de conduire? Non, je n'ai pas besoin de permis de conduire. J'ai besoin de. Ok. Pour continuer, le dernier mot. Voisin. Voisin, est-ce que tu as le voisin bruyant ou calme? J'ai des voisins calmes. ok. Alors. Et ils sont morts. Non, ils sont toujours en vie, mais ils sont calmes. Et ils sont. Parmi certains d'eux sont vieux. Ce sont des vieux et d'autres sont des vieilles femmes. Anciennes. On ne peut pas dire que des personnes sont anciennes, on peut seulement dire que des objets ou objets viennent. Ouais, ils sont anciens. Anciens. Mais si c'est une personne, il est soit vieux ou vieille. Vieille. Alors, désolé, j'avais cité quelque chose. Alors, c'est la traduction. Voyager, écrire, travailler. Voyager, écrire, travailler. Travailler. On traduit. Voyager. Voyager, podróżnik. Écrire, pisarz. Écrire, pisarz. Travailler, podróżować. Ok, je vais juste lire. Travail et travailler. Travail, c'est le fait, et puis travailler, c'est le verbe. Travailler. Voyager. Voyager, j'aime voyager aux îles de. C'est synonyme, voyager ou travailler. C'est pas des synonymes, ce sont des verbes, des deux différents verbes. Parce que voyager, c'est pour j'aime voyager dans les îles de Caraïbes. J'aime travailler dans une usine. C'est deux différents verbes qui n'ont rien à faire avec l'autre. Ouais. Alors, je vais lire une phrase pour utiliser les mots qu'on vient de traduire. De quoi est-ce que vous avez besoin pour voyager? Pour voyager, nous avons besoin de temps et de l'argent ou d'argent. Voilà. On continue avec des questions. De quoi est-ce que tu as besoin pour voyager? Et pour voyager, j'ai besoin de temps et d'argent. Exactement.
De quoi est-ce que vous avez besoin pour écrire? De quoi est-ce que vous avez besoin pour écrire? Pour écrire, j'ai besoin du stylo. D'un stylo et d'un cahier. D'un stylo. Mm-hmm. D'un stylo et d'un bout de papier ou d'un cahier. D'un cahier. Exactement. D'un stylo et d'un cahier. Mm-hmm. De quoi est-ce qu'elle a besoin pour travailler? De quoi est-ce qu'elle a besoin pour travailler? Et pour travailler, elle a besoin. Elle a besoin de temps libre et un ordinateur. Ordinateur. Ouais. Okay. Est-ce que tu as envie d'un chocolat? Est-ce que tu as envie d'un chocolat? Oui, j'ai envie de chocolat. D'un chocolat. Exactement. Je vais te donner quelques mots pour cette dernière. Le mot c'est voyager. Voyager. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi as-tu besoin pour voyager? J'ai besoin d'argent et des amis pour voyager. Notre mot travailler. Travailler. Et de quoi est-ce que tu as besoin pour travailler? J'ai besoin d'un ordinateur et j'ai besoin d'un ordinateur pour travailler. Et seulement. Seulement. J'ai besoin d'un ordinateur pour travailler. Ouais. Ok, alors on continue. Alors aujourd'hui, on va lire l'inuta 5. 5. 5 w tym, że chyba 15. A sęk. Ouais, c'est l'unité qui consiste à quelle est votre nationalité. 5. Sęk. Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Vous êtes d'où? Quelle est votre nationalité? Je suis américain. Et tu es de quelle nationalité? Je suis russe. Vous êtes d'où? Je suis du Rhum. Est-ce que tu es polonais? Non, je ne suis pas polonais, je suis australienne. Est-ce que vous êtes allemand? Non, nous ne sommes pas allemands, nous sommes espagnols. Est-ce que tu es en Belgique? Oui, je suis en Belgique, à Bruxelles. Est-ce que vous êtes en Espagne? Non, nous ne sommes pas en Espagne, nous sommes au Portugal. Est-ce qu'elle est en Angleterre? Non, n'est pas en Angleterre. Elle est en Allemagne. Est-ce qu'ils ont aux États-Unis? Non, ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont en Italie. Est-ce que tu es en France? Oui, je suis en France, à Paris. Étrangère. Parisienne. Et où est la France? La France est en Europe. Est-ce que vous êtes polonais ou islandais? Je suis polonais. Est-ce que Varsovie est en Pologne? Oui, Varsovie est en Pologne. Est-ce que Rome est en Grèce? Non, Rome n'est pas en Grèce, Rome est en Italie. Est-ce que tu es étrangère? Oui, je suis étrangère. Est-ce que vous êtes étrangère? Oui, je suis étrangère. Est-ce que tu es parisien? Non, je ne suis pas parisien. Est-ce que vous êtes russe? Oui, je suis russe de Moscou. Où sommes-nous? Nous sommes à Varsovie, en Pologne. Tu es d'où? Je suis de Cracovie. J'habite, tu habites, il habite.
Nous habitons, vous habitez, ils, elles habitent. Et est-ce que tu habites? J'habite en Pologne. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Nous habitons en Russie. Est-ce qu'elle habite à Lisbonne ou à Madrid? Elles habitent à Madrid. Est-ce que vous habitez en Europe? Non, nous n'habitons pas en Europe. Nous habitons en Afrique. Où habitez-vous? J'habite au Mexique. Michel est australien. Oui, elle est d'Australie. Et Claire est canadienne. Non, Claire n'est pas canadienne, elle est tunisienne. Est-ce que Marie est parisienne? Oui, elle est parisienne. Est-ce que vous êtes étrangère? Oui, nous sommes étrangères, nous venons du Maroc. Où habite-t-il? Il habite en Italie. Ici, maintenant, d'ici. Où est-ce que tu habites? J'habite ici. D'où venez-vous? Nous venons de France, mais nous habitons en Espagne. Est-ce que vous êtes d'ici? Non, nous ne sommes pas d'ici, mais nous habitons ici. Où es-tu? Et maintenant, je suis en Italie. Où habitez-vous? Nous habitons en Belgique. Mais maintenant, nous sommes en France. Ok. Alors, on va continuer avec toutes les dictées. Question. Oh, désolé, je n'ai pas demandé des questions. Créatif. Alors, j'ai juste quelques petites questions. Est-ce que Madame Caroline est étrangère? Oui, Madame Caroline est étrangère. Mm-hmm. Est-ce que tu es un Parisien ou un Polonais? Et je suis Polonais. Mm-hmm. Est-ce que Berlin est en Grèce? Et non, Berlin n'est pas en Grèce. Berlin est en Allemagne. En Allemagne. Mm-hmm. Ok. Est-ce que Monsieur Paul habite en Russie? Oui, Monsieur Paul habite en Russie. Mm-hmm. Ok. Juste une toute petite dernière question. Tu es d'où? Et je suis de Pologne. Ok, on continue. Alors, on va faire un dicté. On commence. Je suis américain. Je suis américain. Je suis américain. T'as terminé? Ok. Nous ne sommes pas allemands, nous sommes espagnols. Nous ne sommes pas allemands, nous sommes espagnols. Nous ne sommes pas allemands, nous sommes espagnols. Prenez en compte les pluriels, parce que c'est nous sommes, nous sommes. J'habite en Pologne. J'habite en Pologne. J'habite en Pologne. Nous n'habitons pas en Europe. Nous habitons en Afrique. Nous n'habitons pas en Europe. Nous habitons en Afrique. Nous n'habitons pas en Europe, virgule. Nous habitons en Afrique. Nous n'habitons pas en Europe, virgule. Nous habitons en Afrique.
Les clés sont dans le sac. 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 L'école est à côté de la maison. 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 Les enfants sont dans la chambre. 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 La France est en Europe. 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 La maison de Pierre est en face de la gare. La maison de Pierre est en face de la gare. La maison de Pierre est en face de la gare. La maison de Pierre est en face de la gare. Les livres sont dans la bibliothèque. 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 Je suis américain, c'est complètement vrai. Désolé. Nous ne sommes pas allemands, nous sommes espagnols. Désolé. Ça c'est correct. Tout c'est bon. Nous sommes espagnols. Je t'avais demandé parce que c'est pluriel. Ouais, c'est tout pluriel. Et j'habite en Pologne, tout est correct. Pologne. Hein. Nous, on habite. Le H, c'est toujours. Comment dire, c'est. Silence. C'est silence. Ouais, c'est. On ne peut pas dire habitons. Alors, c'est pour ça qu'on met N. N'habitons pas. En Europe, nous n'habitons pas en Europe, nous n'habitons pas en Europe. En Europe, nous habitons, c'était habitons, nous habitons. Parce que ça pourrait être correct s'il y avait un T ici. Difficile pour moi. Nous habitons. Ok, c'est... C'était correct, mais sauf que tu avais mis le T. Nous habitons pas... Nous habitons en Afrique. Un problème, c'était une erreur. Ouais. C'était juste un tout petit erreur. Les clés... C'est faux. C'est correct, c'est faux. C'est correct ou c'est faux. Faux, ouais. Les clés sont dans le sac. Les clés sont dans le sac. C'est correct. L'école est à côté de la maison. L'école est à côté, bon, ça c'est bien, de la maison. L'école, c'est correct. De la maison. Les
les enfants sont dans la chambre. C'était facile. Ils sont dans la chambre. La France est en Europe. C'est correct. France est en Europe. La maison de Pierre est en face de la gare. La maison de Pierre est en face de la gare. Oui, c'est correct. Ah, les livres sont dans la bibliothèque. Ici, c'est bibliothèque. Et l'accent est grave, pas aigu. Mais tout autre chose, c'est correct. Les livres sont dans la bibliothèque. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est pas plus de 10. Et écrit dans la carte de cours. Oui, de cours. 5 heures. Ah, 5 heures. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Et au revoir. À revoir. Salut.